Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud. Moi ça va bien. Les potos, on se retrouve pour une petite vidéo de tenue pour le personnage féminin. Tenue avec haut damier, petit nœud papillon rouge, lunettes damier, escarpins damier et avec, je vais vous proposer deux bas. Un bas retour à la ligne et un bas porte-jartel. Donc, les amis, pour pouvoir réaliser ce petit glitch de transfert de codage de tenue du personnage masculin sur le personnage féminin, il va falloir avant que vous ayez récupéré les masques Krampus. Et grâce aux masques, pour ceux qui ne connaissent pas, on va pouvoir transférer les codages de la tenue du masculin sur le personnage féminin. Avant de commencer le glitch, ce qu'on va faire, on va mettre une tenue standard sur le personnage féminin. Les amis, très important de mettre une tenue standard sur le perso féminin, sinon la tenue ne sera pas importée, d'accord? Donc là, je prends le personnage masculin, je vais lui composer une tenue. Je vais dans les bas, je vais aller dans pantalon de costume. Et je vais lui mettre le pantalon de costume rayé bleu marine numéro 61. Pantalon de costume bleu marine rayé numéro 61. Ce pantalon-là, il va nous donner le porte-jartel. Ce pantalon, il va nous donner ce porte-jartel. Par contre, si vous préférez avoir le pantalon retour à la ligne. Pour avoir le pantalon retour à la ligne, il va falloir aller dans pantalon en cuir et lui mettre le pantalon en cuir blanc numéro 8. Surtout ne vous trompez pas, car à l'emplacement numéro 2, il y a un jean blanc qui lui ressemble beaucoup. Ne vous trompez pas, c'est le pantalon en cuir blanc à l'emplacement numéro 8. Et ce pantalon en cuir blanc nous donnera ce pantalon retour à la ligne orange. Donc une fois qu'on a choisi son pantalon, on va aller dans les hauts. On va aller dans les hauts et on va lui mettre un blouson en cuir. On va dans blouson en cuir et on lui met le blouson en cuir rouge. Numéro 47. Blouson en cuir rouge, numéro 47. Les poteaux, commencez par mettre le blouson en cuir. Sinon, vous ne pourrez pas mettre la chemise. Ok? Vous mettez d'abord le blouson en cuir. Une fois qu'on a mis le blouson en cuir, on va aller dans chemise et on va lui mettre la chemise cendre rentrée, numéro 53. La chemise cendre rentrée numéro 53. Puis on va aller aux chaussures. On va aller aux baskets. Et on va lui mettre la dernière paire de baskets. Baskets, on va lui mettre la paire de baskets Eris noire numéro 37. C'est la dernière paire du bas. Puis on va aller aux lunettes. Lunettes d'aviateur. Lunettes d'aviateur police grise numéro 12. Lunettes d'aviateur police grise numéro 12. Puis on va aller aux accessoires. On va lui mettre une paire de gants. On va lui mettre les gants de chirurgien blanc numéro 43. Gants de chirurgien blanc numéro 43. Une fois qu'on a mis les gants, on va aller aux cravates. On va lui mettre la cravate fine rouge numéro 29. Cravate fine rouge 29. Donc là, on a la tenue. On va se rendre au télescope pour y ajouter les lunettes avec le masque. Au télescope, on commence toujours par mettre le masque en premier. On met le masque. Puis avec le télescope, on rajoute la paire de lunettes. Une fois qu'on a mis les lunettes, on va se rendre au contre-la-montre. On se rend
à la course contre la montre, on va avoir besoin d'un véhicule. On demande son véhicule, on va se placer sur la course contre la montre, on va faire flèche de droite pour lancer la course, touche pause en ligne, changer de personnage. Là, on va prendre son personnage masculin et on apparaîtra en session normalement avec la tenue, avec la nouvelle tenue. On n'aura plus qu'à la sauvegarder. Voilà les potos, je vous laisse avec la fin du gameplay. J'espère que l'une des deux tenues vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !